bienvenue dans ce emboîtage. C'est ça, c'est pas un vrai unboxing, puisqu'il n'y a rien à unboxer. En fait, on va ouvrir des boîtes, vraiment. C'est unboxé d'origine. Exactement. Aujourd'hui, on va vous parler des mallettes TCC. Alors, il y en a une que vous connaissez déjà probablement. Ouais. C'est celle-là. C'est celle qui est en tissu. Enfin, ouais, c'est du tissu. Tu peux toiler, tressé. Et je pense que 90% des magiciens l'ont, pour le coup, c'est assez... Ouais, mais il faut dire qu'elle est super. Elle est très bien. Et tac, on peut mettre les compartiments à l'intérieur comme bon nous semble. Mm-hmm. Et l'avantage, c'est que c'est rigide, c'est rigide sur les bords. Ça va pas venir écraser vos produits. L'autre chose, je sais parce que je l'ai fait moi, ça se trouve pas cher du tout, alors pas tout seul. D'accord. Mais t'achètes une boîte, une mallette de bricolage cheapos chez... Leroy Merlin, Castorama, je cherche un nom de magasin de bricolage. Bricorama. Et tu prends ça qui est dedans et ça marche pour ça. D'accord. Pour ça. Et au pire, si tu veux vraiment des tailles, des tailles spéciales, même cutter. Ah, okay. Tu coupes ça, ça se décolle. Et ça, en fait, c'est pas du... Enfin, si, c'est du bois, mais super fin. D'accord. Et, attention aux mimines quand même, ouais. Mais au cutter, clac-clac, et tu fais des petits compartiments vraiment à la taille que tu veux. Il y a quoi faire avec ce qui est fourni quand même. Ah, il y a largement de quoi faire, mais c'est, tu vois, si tu as des... Si jamais tu as besoin... Genre un compartiment pour un shop cup, un gobelet, un machin, enfin, on a toujours des... spécifique, ouais. Tous les magiciens ont toujours besoin d'un truc qui n'est pas fourni. Exactement. Et je sais de quoi je parle. C'est vrai que donc, c'est l'avantage qu'elle est modulable, modulaire. Ouais. Ça, c'est pratique. Ouais, j'aime bien. Et puis ça, moi j'ai beaucoup utilisé ça. Alors pour le coup, pas du tout. J'aime pas du tout le machin en bandoulière, le truc. Bah, ça, je le jarre. Ouais, après, c'est question. Et c'est résistant pour le coup, ça marche bien. Ça, c'est très pratique pour les contrats. Attends, est-ce qu'on peut les... Hop, hop, hop. Pour les cartes de visite, les contrats, les choses comme ça, les papiers. Mmh. Pour mettre des. Enfin, on met ce qu'on veut dedans. Oui, déjà. Mais de toute façon, oui. Ce qui est un peu bête, c'est qu'ils aient pas fait un retour ici. Oui, que ça a été plus grand en fait. C'est ça, parce que là, en fait, vous avez accès ici, mais pas au-dessus. Ouais, donc ça fait. Et je sais que j'en ai une autre moi, où au-dessus c'est accessible. Donc c'est quand même au milieu. Et donc, du coup, tu peux rentrer là, tu descends et tu remets derrière, et du coup, ça tombe pas. D'accord. Donc là, c'est peut-être plus pour les petits accessoires, Sharpie, faux pouces. Ouais, autrement, tu plies, tu fais les quatre machins et tu les plies, quoi. Et les cartes de visite. Et du coup, il y a la version 2.0, on va dire. Lusk. Ouais, exactement, c'est ça. Luxury. La version luxe. Qui est à l'intérieur exactement la même. Donc celle-là, elle est déjà montée. Ouais. Il y a un truc qui a été retiré, c'est la bandoulière, pour le coup. Là, il n'y en a plus. Ouais. Donc, parce que pour eux, le luxe, c'est peut-être plus à la main qu'à l'épaule, comme tu disais, c'est peut-être une question de style. Donc, vous voyez une fois qu'elle est montée. Pour le reste, c'est exactement pareil. L'intérieur, c'est le même principe ici. Par contre, même. Hop. C'est le look qui est maintenant plus, on va montrer, plus. Aspect cuir. Aspect cuir, oui. Alors. Ça fait mal. J'ai appris une chose. J'ai appris une chose. C'est qu'il existait du cuir végétal. Végétal, exactement. Et c'est comme les steaks. Bon, on va pas parler de ça, mais non, les mais steaks sans viande, voilà, c'est pareil. C'est pareil, c'est vegan, hop. Donc ça n'a pas abîmé d'animaux. Ça voilà. A peut-être abîmé autre chose, voire du pétrole, voire du... Mais bon. Bah non, parce que c'est pas, pour le coup, c'est pas du plastique, quoi. Ah, donc c'est un truc respectueux de tout. Bah ouais. Mais en tout cas, c'est super joli et ça a l'air résistant. Ouais. Ça a vraiment l'air résistant par rapport à ce que je pouvais m'attendre, parce que le cuir marque beaucoup d'habitude. Alors, je regardais une chose qui m'avait pas sauté aux yeux sur l'autre, et là, je viens de me rendre... Le petit logo est embossé. Il est plus discret que l'autre, pour le coup, parce qu'il est pas, c'est pas ostentatoire. Il est pas blanc. Et ouais, j'ai l'impression que ça se sort. Ah oui, tu veux. Voilà. Ou pas, mais. Si, ça se sort. Et du coup, l'idée, c'est que ça doit être juste un petit peu. Tac. Même pas collé, en fait, ça rentre non, en force. Rentre, c'est, ouais. c'est fait et pour, du coup, quoi. On peut s'en servir si on a. Un tour scène ou pour protéger un tour de scène. Du coup, en n'utilisant pas ça du tout. D'accord. Après, tu peux laisser le cadre, enlever juste les compartiments. Mais sur celle-là, j'avais pas remarqué que ça pouvait bouger. Non. Donc j'imagine c'est que ça bouge. Il y a un peu plus de. Le cuir étant un peu plus lâche. Mais le c'est très bien travail. Aussi. Exactement. Par rapport au tissu un peu plastique avant. Donc voilà, vous avez les deux options, voilà. 39,90, 59,90, et les deux, non, toujours pas. Et c'est disponible chez Agirib juste au-dessus. Salut! Bien, à bientôt!